We'll you à tous bienvenue sur le plateau de bonjour chez vous aujourd'hui nous allons voir si internet est oui ou non un outil d'évangélisation et je casse tout suspense oui c'est un outil, outil d'évangélisation hein. ouais, ouais. c'est vrai c'est évident quand même c'est évident je trouve que c'est <laughs> évident mais on va voir que autant la réponse oui non est évidente mais le comment est un peu moins ouais, évident est <laughs> parce que ça c'est un peu plus subtil quand même mm -hmm. et puis on va en parler mais oui nous croyons qu'internet est un outil d'évangélisation et AEMCI, on l'a vu quand même plusieurs fois, des âmes venir à Christ oui. parce qu'ils tombaient sur une vidéo par hasard et euh, étaient sauvés. Donc oui, c'est un outil d'évangélisation. Mais aujourd'hui, on va voir justement comment on peut s'en servir, comment bien s'en servir. Et en milieu d'émission, on va avoir une rubrique conseil du coach. Non pas avec Aurélie qui est à ma droite, mais avec Yanis Gauthier. <laughs> Yanis Gauthier qui, depuis chez lui en France, nous a fait une vidéo pour yes. nous expliquer justement comment on peut... Se servir d'Internet, euh, de, des réseaux sociaux particulièrement euh, pour évangéliser et euh, il est bien placé pour nous répondre à ça. Donc on verra ça tout à l'heure. Mais en attendant, on va commencer euh, cette émission avec toi, Frank, dans la pensée du jour. Eh oui, aujourd'hui je vais vous parler, euh, en commençant la pensée, de Johannes Gutenberg. Je sais ah. pas si ça vous parle. Hein? Non. non. pas du tout. Est-ce qu'il tu a une page Instagram? <laughs> Sinon, Johannes Gutenberg. Okay. Peut-être que là, avec l'accent, <laughs> c'est un peu différent. Mais euh, cet homme a été le premier à imprimer la Bible en papier euh, dans les années 1400. Oh. C'est pour vous montrer que depuis le début, que les gens ont pu utiliser des moyens pour témoigner, évangéliser, répandre la parole de Dieu, les gens l'ont fait. Et quand j'avance dans les années 1920, ce fut au tour des radios d'être utilisées d'une façon extraordinaire par les Américains. Une des premières, justement, c'est Amy Semple McPherson, une femme qui a utilisé la radio pour bou bouleverser la nation. Catherine Coleman a utilisé la radio d'une façon exceptionnelle aussi, elle rejoignait des millions de personnes. Après ça, c'est la télévision, vous me voyez venir, hein, mais c'est important parce qu'elle a un but. La télévision, 1952, Rex Humbard, un homme de réveil américain qui a été le premier à diffuser ses cultes, euh, de façon hebdomadaire au travers de la télévision. Oral Roberts a utilisé la télévision, il a rejoint les foules, il a vu des saluts extraordinaires et Billy il mm -hmm. faut pas l'oublier, c'est les années 60 et 70 et 80, il a rejoint le monde entier au travers de la télévision. Et aujourd'hui, je te dis, toi, qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as entre les mains? C'est ça, c'est là où je vais en venir, parce que oui, l'Internet est une façon pour rejoindre les gens. Ton petit téléphone que tu regardes pendant plusieurs heures par jour, si c'est le cas, d'autres, c'est Moins, mais il y en a beaucoup qui vont perdre beaucoup de temps quand alors ça peut être une, une façon de rejoindre les fous, le MCI. C'est ce qu'on fait à tous les jours. Il y a du contenu frais qui est donné à la francophonie au monde entier. Et comment une fois est-ce qu'on a vu des gens venir au Seigneur et être baptisés du Saint-Esprit, non pas juste pour évangéliser, mais, mais encore plus large aussi. Donc, toi, dans ton quotidien, est-ce qu'on peut voir au travers de même de certains posts que tu es chrétien? Est-ce qu'au travers de ce que tu mets, de ce que tu montres de toi, est-ce qu'on sait? que tu es une personne de foi qui croit en Dieu, euh, soit par les partages que tu fais, soit en l'affichant un minimum. Je ne dis pas d'être « full out »,« j'aime Jésus ah, », ce pas ça que je dis, mais est-ce qu'on peut le discerner Aujourd'hui, je veux te pousser à ça, toi, chez toi, est-ce que tu le fais Est-ce que tu montres aux autres Est-ce que tu utilises ce que tu as Et tu vas dire « mais Frank, le monde entier est sur Internet et beaucoup d'autres le font mieux et beaucoup mieux que moi ». Mais toutes ces personnes-là ne peuvent pas rejoindre les personnes autour de toi, les gens avec qui tu as une relation de confiance. Et c'est là que ça change les choses, en fait. Quand les gens autour de toi voient à quoi tu t'associes, voient comment tu t'affiches, c'est alors qu'eux vont te poser des questions pour savoir, mais c'est quoi cette foi que tu as? C'est quoi le pose que tu as vu? J'ai vu un, un, un texte, un verset de la Bible, ça m'a touché. Est-ce que tu fais ça ou pas? Souviens-toi de Jésus dans Jean 9.6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Jésus utilisait ce qu'il avait entre les mains littéralement pour apporter le miraculeux là où il allait. Il prêchait dans les bateaux, dans les synagogues, dans les villes, les villages, les maisons, les montagnes, même dans les sépulcres. Il allait partout. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour répandre la bonne nouvelle. Aujourd'hui, alléluia fais-le toi aussi sur ton compte Insta, sur ton Facebook, sur peu importe ce que tu es, commence à publier, à partager, à poster, à démontrer, arrête d'avoir honte de l'évangile si c'est le cas, tu n'as pas à avoir honte, c'est les gens autour de toi qui connaissent pas Dieu qui ont à avoir honte encore, c'est nous qui sommes la lumière du monde, gloire à Dieu. Et là j'arrête parce que mon temps est fini, mais ben, toi aujourd'hui <laughs> Post, partage, démontre qui tu es au travers des réseaux sociaux. Ce que tu écoutes présentement, partage-le à d'autres pour qu'ils soient eux-mêmes poussés à aller plus loin. Ah. Hallelujah. Amen. <laughs> J'aime ton zèle, Frank. Es un homme zèle. Je m'attendais pas toi. à ça du tout. Hein. Tu t'attendais mais mais pas du tout à ça. Mais ouais. Je sais que c'est toujours spontané. Je sais ouais. très bien que c'est pas planifié. <laughs> mais je dis amen à ce que tu as dit. Vraiment, amen. Parce que oui, euh, les réseaux sociaux sont en fait une fenêtre vers le mmh. monde une fenêtre qu'on peut ouvrir et par laquelle on peut crier jésus t'aime, mmh. jésus veut te sauver, ouais. mais... Il faut le faire bien. Et on va en parler aussi un petit peu parce qu'il euh, y a toutes sortes de manières de faire. Et évangéliser, c'est pas forcément dire Jésus à la fin de chaque phrase ou Amen à la Exactement. fin de chaque phrase. Il y a une manière de faire. Et l'évangélisation est accompagnée du témoignage. Pas mm -hmm. juste du témoignage de la conversion, mais du mm -hmm. témoignage d'une bonne conduite. Et tout ça, on, on va en parler. Ouais. Mais avant ça, on va regarder notre verset du jour parce que tu en as un petit peu parlé dans, dans ta pensée. Tu as parlé de Jésus. Et Matthieu 9, 35 nous dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Jésus allait de ville en ville, de village en village, il se déplaçait. Le but était quoi dans, de se déplacer C'était de rejoindre le plus de personnes ouais, possible. Exactement. Que le plus de monde entende le message, la bonne nouvelle de l'Évangile et sache qui il est en fait, qui il est venu euh, sauver sur la Terre. Et c'est pour ça que nous aussi, on, si on met ça en parallèle avec notre époque, on peut voir que les réseaux sociaux... Ce sont des villes, des villages, des synagogues qui réunissent des gens et des communautés. Oui, c'est ce qui est dit dans le verset. Il allait de lieu en lieu, en oui. fait. Et vraiment, Internet, aujourd'hui, a tellement une énorme capacité pour toucher euh, partout. Et quand Frank faisait la pensée, il y a quelque chose qui n'arrêtait pas de me revenir c'est que nous, on a fait des lives où on, on a demandé aux gens de donner leur vie au Seigneur. Il y a eu des centaines qui ont donné ouais. leur vie au Seigneur oui. juste avec des lives qu'on a fait comme ça. Mm -hmm. Et tu imagines, c'est juste des personnes dans un lieu qui diffusent sur Internet et on voit des, des résultats pareils. Mm -hmm. Donc, franchement, on n'est même plus en train de se poser la question de savoir si Internet est utile ou pas. Comme Frank a dit, dès l'instant où tu as ton téléphone, tu as cette chose en main qui te permet de proclamer mm -hmm. l'évangile il faut que tu le fasses. C'est vraiment, c'est capital en fait. Maintenant, comme tu as dit, Yveline, il y a aussi comment faire les choses. Et de la même manière qu'on que peut utiliser n'importe quel canal. D'ailleurs, même avant d'aller là, je vais y revenir. Mm -hmm. le, le Covid nous a montré qu'on ne peut pas vraiment se passer d'Internet aujourd'hui pour l'évangélisation. Vous imaginez les églises qui n'avaient pas, par exemple, de diffusion sur Internet. Mm -hmm. Où vont ces personnes-là ouais. Et vous imaginez les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui ont rejoint justement le Seigneur parce qu'il y a eu cette situation de crise, parce que c'est venu les chercher au-dedans d'elles. Mais que sera mon lendemain mm -hmm. Et où est-ce qu'elles partaient pour trouver ça? cette solution c'était encore sur Internet. Et qu'elles avaient accès sur Internet mm -hmm. à, au message de la prédication de l'Évangile. Mm -hmm. euh, se rendre dans une église, faire le pas d'aller dans une église, c'est un pas qui n'est pas facile quand on ne connaît pas le Seigneur, oui. qu'on est un croyant. Mm -hmm. Mais là, sur Internet, en deux clics, on a accès au message mm -hmm. de l'Évangile ouais. complet et on peut naître de nouveau chez soi sans avoir à, mm -hmm. à franchir cette barrière, quand mm -hmm. même, de la porte d'une église qui peut être très intimidant pour un incroyant. Ouais, quand même. Et on voit le verset du jour ça dit que Jésus allait dès un village. Il guérissait tous les malades, il tous les démons. Et pour beaucoup de gens, cette ligne-là, cette, ligne cette frontière-là d'aller dans mm -hmm. les rues, ça, c'est une montagne. Oui. Pour vous, c'est une montagne à la maison. Vous écoutez l'émission, vous vous dites, mais moi, aller dans les rues, fringue-poser les mains sur des malades, j'ai jamais fait, j'ai pas envie, ça me fait peur. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai même plus fait que peut-être sur les réseaux. Mm -hmm. je, je, moi, je suis, bon, je suis sur MCI un homme de TV. Terrain, je suis un homme <laughs> beaucoup plus de terrain. Mais pour vous qui avez peur de ça utiliser Internet. Je veux dire, il a, il, vous n'êtes vous êtes même pas en contact direct. C'est vraiment le but, je crois, de, de l'émission d'aujourd'hui. Ce n'est pas de vous donner la réponse, parce que oui, tout le monde le sait, comme on l'a dit, mais c'est de vous pousser à, à le faire. Commencez, si c'est la première fois que vous allez partager euh, euh, une citation de MCI, euh, un verset du jour, une émission à quelqu'un que vous savez à qui ça peut parler. Vous avez vu une émission mmh. il y a deux mois et le Saint-Esprit vous avait parlé à ce moment-là. Partage et tu ne l'as pas fait parce que tu étais gêné de qu'est-ce que cette mmh. personne-là va penser de moi. Je veux, on veut vous pousser à aller, à aller de l'avant et utiliser ce qui est entre vos mains. La pire chose qui peut arriver, ben c'est que la personne se donne au Seigneur. <laughs> On vous a posé une question hein, sur notre chaîne YouTube. On vous a demandé est-ce qu'un chrétien doit utiliser les réseaux sociaux pour évangéliser 79% de vous ont répondu oui, un chrétien a le devoir de témoigner partout. 20% uniquement si c'est bien fait. Il un petit 1% qui dit non, ce n'est pas efficace. Et j'aimerais revenir sur ce 20% qui a dit uniquement si mmh. c'est bien fait. Et sincèrement, moi, c'est ce que j'ai répondu, parce que des fois, je vais répondre au sondage aussi. Et j'ai répondu, ça répondu ça aussi. Parce qu'en fait, euh, mmh. évangéliser à tout vent de toutes sortes de façons, avec parfois même agressivité, ouais. avec un manque d'amour évident, mmh. va faire finalement plus ah, de dégâts qu'autre chose. Mmh. Et j'aimerais mettre ce sondage avant de vous permettre de rebondir euh, en, en parallèle avec notre citation. On a une citation aujourd'hui de Leonard Havenhill, qui était un évangéliste anglais, qui a dit quelque chose de très puissant, toute méthode d'évangélisation fonctionnera si Dieu y est présent. C'est exactement wow. mon point ça, Evelyne. C'est de dire aux personnes par rapport aux 20% mmh. que mmh. c'est utile seulement si le Saint-Esprit l'accrédite, en fait. Exact. De la même manière que lorsqu'on va dans la rue, on parle à quelqu'un et la puissance du Saint-Esprit accrédite nos paroles au point de toucher le cœur de cette personne, c'est la même manière que ça doit fonctionner avec des réseaux sociaux. Oui. C'est que le Saint-Esprit doit pouvoir accréditer ce qu'on fait. Mmh. Et je veux même encourager les gens qui nous écoutent à consacrer leur page à Dieu, en fait. Parce qu'évangéliser, comme tu as dit euh, euh, précédemment, c'est tout ça, c'est un style de vie. Oui. C'est Si euh, je partage toujours n'importe quoi et que un jour je mets un verset biblique, ça ne signifie absolument rien du exact. tout. Au contraire, ça, ça décrédibilise ah, même clair. le message, en fait. Mais dès l'instant où tu consacres tes réseaux vraiment à Dieu, avant déjà de mettre du n'importe quoi, ben le yes. Saint-Esprit va faire ce filtre. Préalable. Et quand tu vas apporter maintenant ton, le message que le Seigneur t'a mis à cœur, tu vas voir qu'il y, y a une accréditation du Saint-Esprit qui vient dessus. Et, et ça marche parce qu'il y a des personnes comme ça qui qui que moi j'ai déjà entendu plein d'histoires comme ça, que mais j'ai juste posté ça. Il y a un ami qui m'a écrit en inbox pour me dire mais le verset que tu as dit, ça signifie quoi et tout. Et voilà. Certaines personnes ont amené d'autres comme ouais. ça au Seigneur. Okay. Mais il y a une signature du Saint-Esprit derrière. C'est pas juste euh, comme ça, à tout vent uh -huh. et tout. Il faut vraiment que le Saint-Esprit euh, soit derrière. Et c'est pour ça que pour certaines personnes, pour eux-mêmes faire prendre au téléphone et commencer à parler, et zéler, tout ça, ça va être compliqué. Mm -hmm. Et c'est pour ça que justement, on encourage tous ceux qui suivent EMCI de pouvoir partager le contenu qui est là. Mm -hmm. Premièrement, parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu encore, sont habitués à un certain contenu, à un certain standard. Mm -hmm. Et les émissions d'EMCI sont à un standard assez bien. Mm -hmm. Et ce ne sera pas une, entre guillemets, une honte, parce que des fois, oui, tu vois des trucs qui sont là et tu dis, comme tu dis, manque d'amour, c'est trop agressif, ouais. c'est un excès de zèle, mais, mais comme pas, pas bien placé. En mm -hmm. fait, tu, tu sens que c'est... Ah! Mm -hmm. Mais en fait, c'est ça, c'est toutes tout les choses que MCI ou d'autres peuvent mettre à disposition, utilisez-les. C'est là pour ça. Il y a les boutons de partage, c'est pas pour rien. Et pourtant, les gens vont partager des articles de journaux pourris qui vont apporter la peur, la crainte, euh, qui vont apporter toutes sortes de frustrations. Mais quand il est temps de partager la parole, on est moins vite sur la, sur la gâchette. Vraiment, ça, il faut faire attention. Vraiment. Et, et vraiment, j'aimerais insister sur un point qui est essentiel parce que je le vois trop, trop souvent. L'Internet, les réseaux sociaux, euh, l'évangélisation, c'est pas des débats de mots, de doctrines ouais. avant de plus finir. Et vraiment, c'est tellement important qu'on comprenne ça. S'il vous plaît, je vous le demande sincèrement, en tant que chrétien, arrêtez ces débats, ces discussions sur les réseaux sociaux, tous ces commentaires qui s'affichent et qui s'enchaînent et on se répond, on se répond et l'agressivité monte de plus en plus, c'est de plus en plus piquant, quel témoignage est-ce que ça laisse En tant qu'enfant de Dieu, on n'arrive même pas à s'entendre ouais. sur des choses de base. Est-ce que vraiment ça a quelque chose qui mmh. doit être fait sur la passe publique devant tout le monde Non, s'il vous plaît. Si vous voulez vraiment avoir des échanges avec certaines personnes, écrivez fais en privé, en inbox, il n'y a pas mmh. de problème. Mais ne faites pas ça comme ça publiquement. Ouais. Au contraire, soyez la personne qui va toujours apporter un commentaire, qui va encourager, qui va édifier, qui va féliciter, qui va aimer sans forcément avoir Dieu et Jésus dans chaque phrase. Mais simplement, soyez cette voix qui amène un peu le royaume de Dieu sur mm -hmm. les réseaux sociaux. Soyez un témoignage vraiment de l'amour de Christ. Jésus n'aurait jamais pris euh, euh, des accusations, n'aurait jamais pris les réseaux sociaux pour accuser, euh, pour mm -hmm. flageller tout le monde Jugez. et juger exactement, mais au contraire, il s'en serait servi pour témoigner de l'amour et de la compassion. Donc, changeons vraiment notre attitude, mais utilisons Internet de la bonne façon pour évangéliser. Mmh. Et on va euh, obtenir maintenant les conseils de Yanis Gauthier, parce que lui, il est très actif sur les réseaux sociaux, il s'en sert beaucoup et il porte beaucoup de fruits. Et on va voir justement quels conseils il nous donne pour évangéliser sur les réseaux sociaux. Bonjour les amis, je suis heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, on parle d'Internet et on va se poser quelques questions pour savoir si c'est un outil utile pour évangéliser. Mais avant cela, dans mon premier point, j'aimerais vous rappeler une vérité fondamentale, c'est celle-ci. L'Évangile n'est pas confiné. Dans 2 Timothée 2, verset 9, nous voyons l'apôtre Paul qui se retrouve en prison à cause de la proclamation de l'Évangile et il dit qu'il est lié comme un malfaiteur mais que la parole de Dieu n'est pas liée. Quelqu'un a dit, la voix vivante de l'apôtre peut être noyée dans son propre sang, mais ce que son Seigneur lui a dit résonne toujours dans ce vaste monde. Le Covid-19, un ennemi invisible qui a semé la terreur, qui a plongé le monde dans l'effroi, qui a frappé, touché, mis à mort. Le président de la République française a employé un mot pour décrire la situation sanitaire. Il a dit, c'est la guerre. Nous sommes en guerre. Toutefois, mes amis, il vous faut comprendre que rien sur la terre ne saurait empêcher la parole de Dieu de se répandre au travers du message de l'Évangile. L'Évangile est une puissance qui traverse les siècles et les saisons les plus rudes, les guerres les plus destructrices et les pandémies les plus marquantes. Et même si ceux qui l'annoncent quittent la terre, Jésus-Christ et son message continuent de toucher et de transformer les vies à travers les âges. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte du fruit et va en grandissant. Colossiens 1, verset 6. La prédication de l'Évangile est un message surnaturel d'une puissance redoutable qui porte du fruit pour le salut des âmes et qui se déplace de ville en ville et de pays en pays et partout là où il est prêché, il apporte la vie là où il y a la mort et il poursuit une action divine de changement et de transformation dans la vie de ceux qui l'écoutent et qui l'acceptent. Et je suis bien placé pour vous en parler parce que la première fois où j'ai été en contact avec le message de l'évangile, j'étais dans une prison et les murs crasseux et épais de cette cellule n'ont rien affecté l'impact du message de l'évangile dans mon cœur. Ce jour-là, Dieu m'a touché, il m'a transformé. Assurément, la parole de Dieu est déliée par les gens qui sont liés à Christ. Et je veux te dire à toi qui m'écoutes que le plan de Dieu pour ta vie est lié à l'annonce de l'évangile. Allez et faites de toutes les nations des disciples les baptisants nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Maintenant, nous allons aller dans le vif du sujet, mon deuxième point que j'ai intitulé Internet, la porte ouverte. Pour le message de l'évangile. Le confinement aura produit quelque chose de plutôt positif dans la vie des pasteurs et des leaders. C'est celui-ci. Il a mis en évidence leur formidable capacité d'adaptation. Car beaucoup n'étaient pas habitués aux réseaux sociaux et aux nouvelles technologies. Et pourtant, très vite, beaucoup de réunions se sont mises en place sur les réseaux sociaux afin d'encourager, d'édifier les chrétiens et de partager le message de l'évangile. Et pour moi, c'était juste un vrai bonheur de voir l'Église briller au travers de toutes ses actions. Yes! Indéniablement, Internet a servi à mettre en avant plein de personnes qui avaient des vrais dons et du talent pour s'en servir. Ce qui, bien sûr, doit nous amener à réaliser tout le potentiel que Dieu a enfoui en nous afin d'impacter le plus grand continent du monde. Internet. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, verset 8. Que vous soyez d'accord ou non, j'ai envie de vous dire que la conviction qui m'anime, c'est celle-ci. Internet est la porte du 21e siècle que Dieu nous ouvre pour annoncer l'Évangile. Personnellement, pendant le confinement, j'ai multiplié les actions. Au travers de visuels, au travers de posts, au travers de vidéos, au travers de lives, où j'invitais des personnes à venir témoigner. Ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Qui nous rejoignaient et parmi elles, beaucoup ont donné leur vie à Jésus-Christ. Lorsqu'on réalise la toute puissance de Dieu, on comprend également que Dieu n'est pas limité à un simple écran pour toucher un cœur et changer une vie. Et comme j'aime à le dire, derrière une connexion, il y a une personne. Et avec Dieu, il n'y a pas de mesure barrière. Alors quand je fais un direct, je m'adresse pas à un écran, mais je m'adresse à une personne que Dieu aime et que Dieu veut sauver. Internet à l'heure actuelle fait partie des outils par excellence pour véhiculer le message de l'évangile à très grande vitesse, ce qui nous amène à notre troisième point. C'est le dernier mais il est très important, l'église en action. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient des louanges à la gloire de Dieu et tous les prisonniers les entendaient. Acte 16 verset 25. Nous avons débuté avec Paul, on va terminer avec l'apôtre de la grâce et il est encore une fois en prison et là au lieu de se morfondre sur son sort, il chante des louanges, il témoigne de sa foi. Il n'est pas confiné par la situation. Et derrière cela, c'est une action divine et spectaculaire qui va se manifester. Dieu intervient, les chaînes des détenus tombent, le géolier entend le message de l'Évangile et lui et toute sa famille se donnent à Jésus-Christ. Mon ami, je veux te dire qu'il y a urgence. On ne peut pas attendre demain en se disant qu'il y aura des occasions plus favorables. Cela n'arrivera pas et demain sera pire qu'aujourd'hui. Alors il nous faut agir maintenant pour voir des vies transformées. Certes, Internet a ses qualités et ses faiblesses, mais c'est un outil qui n'est pas confiné. Hier, c'était déjà compliqué lorsqu'on menait des actions d'évangélisation en faisant du porte-à-porte. -porte. Les gens n'ouvraient pas, pourquoi À cause du terrorisme. Les gens étaient enfermés dans la peur et dans la crainte. Mais aujourd'hui, c'est encore pire. À cela s'est ajouté le Covid-19. Et les mesures barrières. Donc, les gens n'ouvrent plus la porte. C'est même pas la peine d'essayer. Mais par contre, avec Internet, on peut s'installer dans leur salon pour leur annoncer l'évangile. Internet n'est pas le message et il ne sera jamais le message de l'évangile. Mais c'est un formidable amplificateur du message de vie que nous portons et véhiculons. Et ce n'est pas la rapidité ou l'efficacité de tous ces outils qui font la puissance du message. Mais c'est Dieu lui-même qui touche, qui guérit, qui libère et qui sauve des vies. Chacun d'entre nous, dans notre réseau personnel, nous sommes appelés à témoigner. Vous avez un témoignage à partager. Et j'aime bien dire qu'un chrétien sans témoignage est un triste chrétien. Il y a forcément quelque chose que Dieu a fait dans votre vie que vous devez partager, ne serait-ce que votre rencontre avec lui, qui finalement est la plus belle chose à raconter. Le monde est triste aujourd'hui. Les gens sont fatigués, ils sont usés, ils sont chaos. Ils n'en peuvent plus, ils agonisent. Regardez ce qui se passe l'économie s'effondre. Il y a plein d'incertitudes pour notre jeunesse et l'avenir de nos enfants. C'est terrible ce qu'on vit actuellement. Et c'est dans ce contexte que Dieu nous appelle à nous lever, à véhiculer le message de l'évangile. L'évangile est une bonne nouvelle que vous devez partager. J'aime bien entendre les gens qui me disent Oh, je ne suis pas du monde. Mais bien sûr que si tu es du monde, tes pieds sont sur la terre et ne sont pas sur la planète Mars, et si ta pensée est connectée à celle de Dieu, alors forcément il y a quelque chose dans ton cœur. Tu entends les battements du cœur de Dieu qui te dit, ce que je désire, ce n'est pas que le pécheur se meure, mais c'est qu'il vive et qu'il change de conduite. C'est ça la volonté de Dieu. Alors pour être efficace, il te faut peut-être reformater ton système de pensée afin qu'il soit en parfaite harmonie avec la pensée de Dieu, ce qui changera ta vision sur la réalité d'aujourd'hui. Deux conseils pour terminer. Le premier, sois connecté à Dieu. Il n'y a pas de réussite sans connexion divine. Il n'y a pas de message sans la puissance qui l'accompagne. Alors prends du temps dans la prière afin d'être saturé de sa présence. Deuxième point, sois connecté à la réalité. Dans chaque génération, l'Église a dû faire face à des défis. Des hommes et des femmes se sont offerts en sacrifice vivant et Dieu les a utilisés comme des instruments de puissance pour partager le message de l'Évangile. Aujourd'hui, nous regardons le monde au travers de la vitrine du net, mais il vous faut savoir que le monde nous observe également. C'est pourquoi nous devons faire preuve de sagesse, d'exigence et d'excellence afin de partager le message de l'Évangile avec amour, compassion et passion. J'entendis la voix du Seigneur qui disait qui -je ⁇ Qui enverrai-je Qui marchera pour nous ?⁇ Et je répondis ⁇ Me voici, envoie-moi ⁇ Ésaïe 6, verset 8. Aujourd'hui, Dieu t'envoie sur la planète du net. Il nous envoie pour annoncer un message de paix, un message d'amour, un message de réconciliation, un message de vie, un message de grâce. Soyons opportunistes, n'ayons pas peur, relevons ce défi qui se présente à nous. Dès à présent, engage-toi, relève ce défi travers d'un poste, au travers d'un message, au travers d'une action sociale, je ne sais pas, mais tout ce que ta main trouve à faire pour Dieu, fais-le et tu verras, il sera au rendez-vous et des vies seront touchées, impactées et transformées. Et pour conclure, j'ai envie de te dire qu'il y a quelque chose de beau qui se présente à nous. Certes, le monde ne va pas changer, il ne va pas s'améliorer, mais nous croyons que Dieu, lui, est capable de changer des vies. Mon ami, chaque seconde, il y a une personne qui quitte la Terre sans avoir entendu que Dieu l'aimait. Il faut que ça cesse. Il faut que la planète entière puisse entendre le merveilleux message de l'Évangile, le message de la grâce. Dieu a choisi, Dieu a voulu ta présence aujourd'hui. Et alors, tu as un défi à relever. Alors, j'ai envie de te dire, vas-y, fonce, engage-toi. Ne laisse pas ce travail à tes enfants. Ou à une génération future. Non, c'est maintenant, c'est avec Dieu que toi et moi on doit changer les choses. Que Dieu te bénisse. Amen. Ah, Yannis, t'es vraiment un évangéliste. Merci beaucoup. C'était génial. <laughs> yes. Il a le cœur de l'évangéliste. Ah ouais, hein. Quand je l'écoutais, je me disais. Certains dans, dans des pays persécutés meurent parce qu'ils ont témoigné de Jésus-Christ. Mmh. Et nous, on peut faire ça en deux clics dans le confort ouais. de notre salon ouais. ou de notre chambre à coucher. Sérieux, il faut, faut qu'on se réveille. Mais faisons-le bien comme on l'a dit. Mmh. Il ouais, faut m'assurer. Exactement, exactement. Vraiment, merci Yanis pour cette rubrique conseil du coach mm -hmm. euh, qui nous rappelle l'importance, oui, d'être connecté à Dieu euh, pour pouvoir euh, apporter la bonne nouvelle partout autour de nous, euh, tous les gens qui nous entourent. Et puis, euh, je, vous, je prie vraiment que le Seigneur vous inspire, vous inspire des postes qui vont faire du bien, vous inspire des partages qui vont être utiles. Euh, sous le sondage, je regardais un des commentaires et quelqu'un disait, euh, je partage souvent des versets bibliques et je me demandais si c'était vraiment utile ou pas. Et et un jour, quelqu'un m'a écrit me disant que euh, je lisais plus la Bible. Et euh, à force de lire tes versets, bah, je suis retournée dans la Bible et ma relation wow. avec Dieu a repris juste ça. Vous ne savez pas l'impact que ça peut ouais. avoir. Et comme l'a dit l'épreuve... Il n'y en a qu'un qui viendra peut-être vous dire merci d'avoir posté ça, mais il y en a peut-être neuf autres qui ont été bénis, encouragés, édifiés, voire même sauvés à cause du poste que vous avez mis. Donc soyez vraiment remplis de sagesse et d'intelligence divine pour votre gestion des réseaux sociaux. Et on va se retrouver demain, notre thème sera comment louer Dieu en tout temps. Vous passez peut-être par des temps difficiles en ce moment, vous avez peut-être besoin de développer un temps de louange spécifique par rapport à ce que vous vivez, on va voir comment dans toutes circonstances, on peut louer Louez Dieu. On se retrouve demain. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Vous êtes bénis et bonjour chez vous.